Une petite coupe rapide. Je ne suis pas le coiffeur, je nettoie seulement. Eh bien, c'est tout ce que je veux. Nettoyer derrière et sur les côtés, sans toucher l'épaisseur. Oui, mais... Pas de mais. Allez, mon petit gars, au boulot. Comme vous voulez, monsieur. Ah. Ah. Je m'apprête à raser un client. Oh, quelle chance! Ouvert la tente! Mais j'ai pas envie! Nelson, ce n'est qu'une coupe de cheveux, y a pas de quoi avoir peur, enfin. Entrez, installez-vous. On va aller voir ailleurs. Excusez-moi. Monsieur Knuckles? Je me demandais si je pouvais vous toucher un mot sur la nourriture. Envoyez un médecin à la cantine. Tu es venu te plaindre? Oh non, ce n'est pas une plainte. Oh, quel dommage. Moi, je suis ravi qu'on vienne pour se plaindre. C'est vrai? Oh oui. Oh, eh bien dans ce cas, c'est très granuleux. Oh. Et grumeleux. Et puis alors le pain. Que dire de plus? Je pense qu'il va falloir revoir complètement le menu. Bon, je sais que nous avons un budget serré, mais on pourrait ajouter un peu de sauce. Oh, excusez-moi. Attendez, je vais... Non, ça ne fait que l'étaler. Pas de souci, je sais comment enlever les taches de ketchup. Attendez, c'était de la moutarde, ça? Oh non. Finalement, c'est pire encore. Quelqu'un sait ce qui marche pour le ketchup? Les gars? Oubliez le médecin. Appelez un prêtre. Écoute-moi bien, petit asticot. Je vous écoute. Ici, personne ne critique ma bouffe, c'est clair. D'accord. Personne n'envoie des condiments sur mon tablier. Attendez. Et personne ne me tape sur la tête avec une baguette. Pas taper. Je vais revoir le menu. C'est vrai? Aujourd'hui, c'est oui. Pâté d'ours brun. J'aime pas ça! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon sandwich à la marmelade. Marmelade? C'est ma tante Lucie qui m'a appris la recette. Tu veux dire que tu sais faire ça? Eh bien, oui. Bouge pas de là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, tu parles du livre pop-up. Voilà qui est intéressant. C'est vrai? Ah, oui, Madame Kozlova avait une arrière-grand-mère qui a créé cette fête et qui était une artiste brillante. À chaque fois qu'elle visitait une nouvelle ville, elle fabriquait un pop-up pour son souvenir. Oh. Et celui-ci est sur Londres. Oh, Monsieur Gruber, c'est magnifique. Tante Lucie a toujours rêvé de venir à Londres et elle n'en a jamais eu l'occasion. Mais si elle voyait ça, ce serait comme si elle y était enfin. Tante Lucie! Tante Lucie! Paddington! Viens avec moi, tante Lucie. Oh, avec plaisir. Je veux tout voir. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est extraordinaire. Embarquement. Ticket pour un ours et demi. Attention à la marche, madame. Quel jeune homme bien élevé. Quel jeune pigeon bien élevé. Paddington,
Tu as fait le bonheur d'une vieille ours, mon petit. C'est parfait.